sommes au mariage d'un frère. Ambe ambalmon ka mariage là. D'un ami. Ani anteri. Alors je pense que il mérite d'être acclamé. Ba yini au fait anga tegere fo ayeni wakati na. Été conféré. Je vous unis par le lien sacré du mariage et je vous remercie. Kenye Mali Saria Sumbaka Mali Bunya Mintaka de Anka Adanka Kanal Furunisri O Saria Sum O Kamapi Alaye Auke Nyoronche Ani Nyoron Musui Alaka Ukambe Kaufunu Fo Nyoronko Alaka Dinga Anchen Yesu Tola. Amen. Amen. Alors, à l'heure où nous parlons maintenant, ils sont des mariés. Ils sont au Kera, Fourleoui. J'aimerais que vous acclamez pour eux. Ceux qui sont là, acclamez. Mohamed a fait tellement sur la canyana mayala. Que Mohamed a eu beaucoup de choses dans sa vie. Mais Dobin a dit à ma délicat minute qu'il y a que vieux. Que mais il y a quelque chose qui lui sera donné qui n'a jamais été proposé. Et ça c'est pas qu'elle n'importe quoi. Parce que ça c'est un galant. Mie nisondia jalai. Qui est un galant de joie. Mie barkadali jalai. Qui est un galant de d'action de grâce. La Bible nous dit que. Mochite asoro yorodon. Personne ne sait où la trouver. Mais c'est Dieu seul qui donne. Alaye mindi ama. C'est pourquoi aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que Dieu nous a donné à notre fils Mohamed, nous réjouissons dans cela et nous rendons grâce à Dieu. Ce matin, hein, vous tous qui êtes arrivés ici, nous vous saluons. Et maintenant, la grande chose qui nous a réunis, qui est la célébration du mariage, ensemble, nous allons l'accomplir. Vous tous qui êtes arrivés ici, sachez que vous avez un rôle. Comme l'ancien, il l'a déjà dit. Vous êtes des témoins. Cela veut dire, moi je connais quelqu'un. Moi je connais quelque chose, vous vous savez plus. C'est pourquoi, avant de commencer, nous allons vous demander, vous qui êtes devenus mes témoins, comment nous serons demandés devant Dieu le Père un jour, selon ce que vous connaissez. Concernant ce mariage, nous allons vous demander et nous allons vous demander la permission. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui connaît une limite, qui connaît quelque chose qui peut être la cause dans les voies de Dieu pour empêcher ce mariage? Ce matin, si quelqu'un est ici au milieu de nous, nous allons lui demander qu'il se prononce, parce que nous connaissons un peu, mais moi je ne connais pas tout. Je répète encore, est-ce qu'il y a quelqu'un présent ici qui connaît une raison, la cause qui peut empêcher ce mariage d'être scellé selon la volonté de Dieu? Trois fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un présent ici qui connaît une raison qui peut empêcher de sceller ce mariage selon les voies de Dieu? Assemblée. Maintenant, j'attends votre réponse. C'est lui qui veut peut parler. Kélé. Un. Fila. Deux. Saba. Trois. Abe Aglila. Anindalimbala. Je pense et je crois que tout le monde est d'accord pour sceller ce mariage selon votre témoignage. Rendons grâce à Dieu. Acclamons très fort. Amen, 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 amen. Maintenant, je veux bien rappeler les témoins. Celui qui est le témoin de Mohamed et celui qui est le témoin de Léa. Et l'assemblée, les gens qui sont venus, nous avons parlé de leur témoignage. Et selon la raison qui peut empêcher ce mariage d'être scellé, mais vous qui êtes des témoins, ce mariage
matin, si vous avez écouté, et si vous allez encore écouter, vous êtes nos oreilles, nos yeux et nos bouches. Et nous allons sceller le mariage et nous allons nous séparer. Cela, ce que Dieu a résolu, c'est vous qui allez rester ensemble. Cela veut dire tout ce qui se dit ici ce matin et ce qui va se faire ici ce matin. Vous devriez faire attention à chacune de ces paroles. Pour ces nouveaux mariés ne s'éloignent pas de ces paroles, mais que vous les aidez, que vous les conseillez et que vous les aidez, vous les supportez et que vous les rappelez sur chacun de ces choses pour que Mohamed et Léa qu'ils soient fidèles dans leur promesse. Nous avons notre message et nous allons laisser ce message avec vous jusqu'à ce que Dieu, le jour où Dieu a décidé, que vous soyez leur conseiller et que vous les conduisez et que vous les rappelez tout le temps s'ils veulent s'éloigner de ces paroles. Que Dieu vous donne cette force, que Dieu vous donne cette persévérance, que le Seigneur vous donne ce courage. Comme beaucoup d'entre nous, nous le savons déjà, le mariage est une alliance, une promesse que l'homme et la femme se font, qu'ils seront un. Dans les liens du mariage, tous les jours de leur vie sur la terre. C'est pourquoi ce matin, comment vous a présenté les marins et les parents, nous n'allons pas les présenter encore, mais nous allons leur poser une question. La Bible nous dit que nous donnons nos enfants en mariage et que nous prenons des femmes pour nos fils. C'est pourquoi, quoi que tu aimes le mariage, c'est les pères qui font les démarches. Et c'est les parents qui décident le mariage. C'est pourquoi ce matin, comment on a fait les présentations, nous allons demander les pères de Mohamed. Est-ce que la femme que vous êtes allée chercher pour votre fils, qui est Mohamed, et la femme nous a été présentée qui est Léa, est-ce que vraiment il n'y a pas d'erreur? Est-ce que c'est elle là? Nindo Devo Nindo. Les pères, est-ce que c'est elle là? Voilà, un micro de Devo Doma. Il faut donner le microphone à un des papas pour qu'il confirme que c'est bien la fille qu'ils sont allés chercher pour voilà, votre, leur fille. Voilà. Voilà. Aha. Voilà. Yala Nindo. Est-ce que c'est Nindo, cette femme là? Nindo. Oh, ni era le do. Filitala. Ai. Halika sura alabena. Owo. Ibado. Owo. Matika duba auye. Que le Seigneur vous bénisse. Ola ame ala fo ka barka bada alai. Nous remercions Dieu de nous rendre grâce à Dieu. La Bible dit. Ando furula. Nous devrions donner nos filles à mariage. Ode kosa ka bo ala. C'est comme ça que il n'y a pas de doute. Nous allons demander le papa de Léa. Est-ce que vous êtes celui à qui vous avez donné votre fille en mariage? Mohamed Diara. Qu'on vient de présenter, il s'appelle Mohamed Diara. Est-ce que c'est vraiment lui? C'est bien lui. C'est bien lui. Amen. Ola anka nisondia ka parka bada alai. Ola ni watila ibo furudo yira la chokomina. Comment on a présenté les nouveaux mariés? Ani maso yesera ke akan chokomina. Et comment les parents aussi ani ont témoigné? Ani alaka jama senwa ma kunsoro ala chokomina. Et que l'assemblée de Dieu n'est pas tombée ni watila maintenant ka furusiri. Nous allons sceller ola le mariage. Ola ibo laidudo. Comme c'est une alliance, nous allons leur poser la question pour qu'ils promettent. C'est ce qui fera que, selon la permission de Dieu, l'autorisation de Dieu, nous allons sceller le mariage dans les liens devant notre Père Saint et devant ses anges saints, selon ses commandements. Nous allons leur demander, Mohamed et Léa, qu'ils viennent devant nous et toutes les promesses qu'ils vont se faire,
Que nos témoignages soient clairs. Ani ukake fenye. Que il soit. Que ce soit des choses qui vont rester dans les pensées Amen. Et dans les cœurs tout le temps. Amen. Voilà. Bon, na anine jota absaya gaba datugu. Aba joya, moi je m'arrête de ce côté. Oba noya kosebe. Voilà. Amen. Alléluia. Cette robe est tellement évasée. Abdina nera akila neni makako do laje. Amen. Ola ni watila amba nyini Mohamed fe. Maintenant je demande à Mohamed. Na make gasiye. Si c'est pas que ça le dérangerait pas. Aka fini bo aka muso nyini ne nyadala. Qu'il ôte la voile sur le visage de la femme qu'il allait chercher, la question qu'on va lui poser. Aka don jati jati o erededu. Qu'il sache que c'est bien Amen, bien bien elle. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Amen. Hola Mohamed. Iko masa ubora choko minaka sereake. Comme les parents ont témoigné Yala, tout de suite. Yala. Est-ce que vraiment Muso miyi kanu. La femme qui t'a aimé. Laiduta aye. Et tu lui as promis. Ni masa ou ya nini furula. Les parents sont allés demander ni un mariage. Léa et son Keita. Nom c'est Léa Keita. Yala, tiena, ni eredua. Est-ce que c'est vraiment oh, elle? Allez. Katuguni edebado ambei. Allez, redo. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Pour la Léa Keita. Léa Keita. Isona ka laiduta. Tu as accepté de promettre que l'homme que tu vas marier, qu'il soit ton mari, et tu seras sa femme dans votre vie terrestre, qui nous a été présenté, il s'appelle Mohamed Diarra. Est-ce que vraiment c'est lui? Amen, amen. Ola ni Léa ko aledo aledo. Si Léa dit que c'est lui, c'est lui. Que le Seigneur vous Ola, bénisse. Ola kakeni ambe laidu mi kofo. Et selon la promesse, l'alliance dont nous parlons. Iko mugo chama mboraka kunafunu ni wajulu ni kalansoro bisa umadena. Choko mina. Des personnes ont reçu des informations, des messages. Oui, laidu di. Ça c'est la, le mariage est une alliance. Et des promesses que l'homme et la femme se font. Et ils vont faire tout pour être fidèles. Depuis le jour où ça a commencé. Jusqu'à ce jour où Dieu les séparera de la mort. Ce matin. Nous allons vous rappeler ces promesses. Avant de sceller le mariage. Mohamed Diarra. Mohamed Diarra. Bi. Aujourd'hui, Utikalo kle folo. Le 1er août, San 2020, Ebsamba Flani Mouran, Ibeson, tu acceptes ka ikanti de promettre ko ina Léa Keita ta que tu vas prendre Léa Keita ka ke ifru musoye qu'elle devienne ta femme. Devant l'assemblée sainte de Dieu et devant Dieu et ses anges saints, est-ce que tu vas promettre? Ah, vous avez entendu? Et qu'est-ce qu'il a dit qu'il va faire? Il a dit qu'il le promet, qu'il le prend Léa comme femme. Mohamed. En plus, est-ce que tu accepterais de promettre ce matin devant Dieu le Père et ses anges saints, devant son fils et son assemblée sainte, que tu vas aimer Léa, tu vas prendre soin de Léa et tu vas l'aimer, tu resteras fidèle et tu t'arrêteras à elle seule tous les jours de ta vie. Awo akele Pedro. Alaka ilame. Fa alaka sedima kake kantiye ikala du folé. Le pouvoir d'être fidèle dans les promesses que tu fais. Léa. Léa. Bisan madena. Ce matin. Utikalo kle folola. Le 1er août. Sambafla anemwa. Dans l'année 2020, est-ce que tu acceptes de promettre que tu seras la femme de Mohamed? Oui. Que Dieu t'entende. Que le Seigneur t'aide à être fidèle. Léa. Léa.
Est-ce que tu accepterais de promettre ce matin que tu te soumettras à Mohamed comme la Bible nous dit que l'Église s'est soumise à Christ, Mohamed Kanu, aimer Mohamed, prendre soin de lui, être fidèle à Mohamed et tu t'arrêteras à lui seul tous les jours de ta vie. Léa, est-ce que tu vas promettre? Amen. Oui. Que Dieu t'entende. Que Dieu te donne le pouvoir d'être fidèle dans ses promesses ce matin devant Dieu, devant ses anges saints, devant son fils et son assemblée. Concernant les lois de mariage, si vous avez des signes, des banques qui parlent de vos promesses, vous pouvez nous les donner maintenant. Nous allons continuer avec les choses. Si ça se trouve que il y a les bagues qui va être le signe de ces promesses que vous allez garder et que vous rappelez tout le temps, tous les jours de vos vies. Amen. Voilà. Amen. Voilà, hola, si ça n'est pas au boulot. Vous avez ces bagues. Vous allez ouvrir. Voilà. Tamasia mimbe au boulot. Les bagues, c'est des bagues. Amen. Hola, kakeni ambe delika furusiri chokomina. Comme nous avons l'habitude de célébrer les mariages. Sarakaye danaboka furusiri kola. Le bac n'est pas un sacrifice pour le mariage de croyants. C'est un signe d'alliance. Ani yoro chamana abe mogo nyemalu iba. Et dans beaucoup d'endroits. Hola, besa madena ambe alafu. Ça te préserve. Ce matin nous rendons grâce à Dieu. Nous le remercions pour ces bagues. Ambe usania amadri Yesu Christa jolila. Nous les sanctifions par le sang de Jésus Christ. Mohamed et Léa tous les jours de leur vie, des moments bons et difficiles, qu'ils les aident, qu'ils se rappellent de toutes ces paroles et qu'ils restent fidèles tous les jours de leur vie. Amen. Amen. Et selon les bagues, les dimensions des bagues, tu vas mettre la bague de Léa dans sa main. Ni watila ibeseka du ala. Voilà. Amen. Alléluia. Hola, Léa. Amen, amen, amen. Voilà, donc maintenant, Kakeni Uka Danayakumai. Selon leurs paroles de foi, parce que Uyemi fort, ce qu'ils ont dit, Ben Miri Abora Udusukuna, je pense que ça vient de leur cœur. Ani Owo Nake Owoye, leur oui serait oui dans leur vie. Maintenant, Kakeni Uka Danayakuma Folenye, selon la parole de foi qu'ils ont prononcée, selon vos témoignages et selon aussi l'autorisation des anciens, selon la parole sainte de Dieu, ensemble nous allons maintenant sceller ce mariage. Nous allons demander au nouveau marié qu'il se s'agenouille comme la Bible dit. Tout le monde doit honorer le mariage. Dieu le Père a honoré et son signe est placé sur le mariage. Son fils a placé son signe sur le mariage. Et le Saint-Esprit aussi a placé son signe sur le mariage. Mohamed, il te guette Nema ici. Voilà, Léa, mené. C'est bon. Abdoin Faraka, Léa. Mohamed, il t'a Faraka. Amen. Amen. Fa Allah.
Dieu le Père, ce matin, selon la parole de foi de Léa et de Mohamed Diara, et dans l'autorisation, la permission des anciens, et devant le témoignage de ton assemblée sainte, devant tes anges saints, devant Dieu le Père, le Fils et Saint-Jésus-Christ, selon ta parole, ce matin, Mohamed et Léa, je les lis dans les liens du mariage. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à partir de ce matin, au nom de Jésus-Christ, Mohamed et Léa, elles sont devenues mari et femme. À partir d'aujourd'hui, ils ne sont plus deux, mais un. C'est pourquoi bon Dieu, les liens par lesquels tu les as liés ce matin, que rien ne les brise, mais que ça demeure éternellement tous les jours de leur vie sur la terre, au nom de ton Fils Saint, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons demander au pasteur, Si le pasteur se joint à moi, ensemble nous allons prier. Mohamed et Léa. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Bon, encore, Allah déli. Mohamed et Léa. Prions ensemble pour Mohamed et Léa. Encore la délai. Sebaya Bella Jelentigi Ala. Ala Senuma Ala Barkama. Ambi fo ka barka da iye, ambi fo ki toko tanu, ambi fo ki toko bonya, noro ani bonya ka da ikelempe toko kan. Matigi ni furuche ni ni furumuso, ambe u kalfa imam, iki bolo barka ma da u kan, ka udeme, ka umara, ka dubata uye amatigi Yesu Krista toko la. Matigi ambi deli, den chemani den musoma ika oduma amatki Yesu tola matki ika soro ani yirwali ke kanyamaya la Yesu amatki tola ika ke ukishiba anu lakana bay matki udeme fem bela tukadanaya sabati ka bamba matki la ibulo barkama kato uka ambu kanyamaya be kalfaima udatuguni joli senumai ika duba nika hera Okato Ufe, Ambu Kalfaima Amat Yesu Krista Tokola. Amen. 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 Ola Besa Madena. Mohamed Nebe Ila Ulini Alaka Sebaya ni Furu Fangai Ani Furu Barkai Kadam Nebila Alaka Furu Aklitigia Dima Amat Yesu Krista Toko Barkala Ifonoka Imuso Deme Kala Uli Ni Furu Nema Ani Furu Majigi Ni Furu Sabali Kadam Nebila Kanuya Miye Ausiri Nwana O Kanuya Tasuma Kanasa Abada Medomodo Akake Kroye Yesu Krista Toko Barkala Madame Nabila, à partir d'aujourd'hui, vous êtes devenus mari et femme. Que le Seigneur vous bénisse tous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia! Alléluia! Alléluia!
dubata uye dubata uye jama beka dubata ni furude uye biso madena Yesu Krista tola korali Amen, amen, amen. Hallelujah. Amen. Jama be sega sigi. Tena ame barika da matigi. Ame kasi akunche yoroma. Ame na anini muniye doni ni kuyoke ane kuyomuso fe. Uluka otoko fe la. Obuna ulabe obuna donke. Kwa jama maso uka doma. Alleluia. Ambe baraki akende programme ye. Otede programme mi dira auma. Obanyiga se akoncherola. Ola amero di si sa Pierre Jarama ale bena kana kuna fundi mogoma ane kofe obena donke. Obena donke kofe. Alleluia. Bikadi. Hello. Ambe minfo. Kala don ye minfo anka kinga walea. Oh. Amen. Akadunu fo. Nene mi ye furu sirika wajuluke. Aw ni koyo cha ni koyo muso be donge nyongo. Alleluia. Okuma choba ya do. No do dembo fono kana dembo ma foike. Aina. Bobe donge yoro yoro dembo be donge. Les jeunes frères, tiens les plus jeunes ou bien les jeunes frères.
Voilà, na. Voilà. Ah. Voilà, on va là. Voilà, amis, on va se dire. Eh, Léa, comme la courant, la courant, au courant, mon ami. Léa, comme moi, ah, elle a l'air se tenir. Ah, ma mère, excusez-moi, Matika to ope, matika dwawe. Laidu tara wa laidu dafara. Amen.